cet ingénieur, le salon de l'émission 2016, 4e étape de la petite Alsace. Avec les participants qui s'accrochent par les économies, pour les étudiants qui vont être mis pour le plus de l'avant, pour le plaisir qui traite. Son équipe qui part à sa poursuite ainsi que Binga maintenant et Roy Berry en 4e position. On est dans le haut de l'hippodrome avec tout Bob Garmont qui maintient toujours un léger avantage. On est toujours en seconde position avec le Lyon Équipe qui est là contre également avec Binga qui va tenter de venir à l'extérieur. Le concurrent se dirige maintenant vers le tournant final avec tout Bob Garmont, Lyon Équipe, Ami Wong, Bob Neuer, Binga, trois concurrents qui se détachent très nettement du reste du peloton emmené par Roy Berry. On est dans le tournant final tout en Garmont, Lyon Équipe. Je vais donner les leaders à toi. Tu ne tords pas la maison ce soir. Elle vient de me battre et je suis totalement déçue. Hein? Elle doit dormir chez moi ce soir. Elle ne va pas dormir. C'est le jumelé gagnant, voilà. Madame Cyprien. Voilà. Ou Étienne, est-ce qu'on est fiers du fiston? Je pense qu'il a pris une bonne mesure, ça va être intéressant pour l'avenir ce petit jeune là. Est-ce qu'on peut dire que l'élève va dépasser bientôt le maître? Oh non, il y a toujours des chevaux pour vous remettre en cause, Nelly Quinte. On aura chacun notre champion un jour, alors voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est une belle première pour lui en tout cas. Oui, très bien, très très bien. On est content de lui avoir remis ce cheval à l'entraînement, il s'en sert très bien. Une belle première quand même. Hein. Ouais, bah on a toujours la frustration d'être battu, mais bon. Là, mais il va bien le cheval. Il fait bien quand même. Hein. Ouais. Tiens, on peut y aller ou comment on fait là? Non, c'est super, non, je suis content. On a eu un trop bon parcours, du coup on s'est retrouvé trop tôt en tête. On peut pas en vouloir à personne, c'est le cross. Quand tout coule en dedans, tout ça, on peut pas contrer les chevaux non plus. Donc, pour l'instant, on est battu par meilleur, on va gagner un cran, c'est tout. Mais le cheval est très prometteur. Hein. Tu avais des doutes sur la distance au début, il fait sans problème. Hein. On passe sur la distance, je ne doutais pas, c'est un cheval qui ne tire pas du tout. Là, il n'est pas très adroit sur les contrebas. Et parfois, il se fait peur tout seul et il passe pas le dos. Et parfois, il y a 15 jours, il s'était fait mal. Heureusement, j'ai mon ostéo qui a bien travaillé dessus. Voilà, il court bien le cheval. C'est un travail d'une équipe. Je suis content pour mon équipe et pour ma mère et mon ami Charles Dreux aussi qui est associé. Non, c'est... On ne va rien regretter maintenant. Non, une belle première. Voilà. À suivre, on se retrouve à cran. Merci. Merci Gabi. Vous avez aimé l'ambiance du moment. Vous étiez sur le haut des tribunes.